Ce match, on va avoir des beaux matchs. Voilà, désolé. J'aime bien faire les commentateurs, j'aime bien gueuler partout. Donc nous avons Lucina et Little Mac pour ces deux personnages qui ont bien sûr respecté les trucs. Donc c'est parti pour ce premier tournoi. Alors pour ce temps, aucun lag, ce qui va très bien. Pour ce temps, Little Mac et Arca gèrent bien. Pour ce temps, c'est son en double du jeu, non? Ah peut-être, peut-être, attendez. Attendez, on va couper déjà le son. Son en double, oui. Attendez. Oh ça va, pense-toi, il y a des problèmes de connexion, ça va. Oh là là. Pensant, nous avons un kill. Pensant, Jérémy est en tête. Mais là, pensant, des problèmes de connexion. Comment ça se fait? Pensant, Jérémy gère assez bien Little Mac. C'est assez dur de gérer Little Mac. Pour l'instant, nous avons. Pensant, on voit que les deux joueurs savent bien jouer. Little Mac, je pensais que ça allait être un peu dur. Mais tant que la personne gère bien ses coups, ça peut y aller. Voilà. Mais là, la connexion est venue, donc c'est parfait. Pensant, Arca a du mal, mais il a réussi à faire une belle contre, ce qui est incroyable. Oh là là, ça peut tout changer. Tout peut changer. Ah là là. Pensant, est mal situé. Pensant que Arca est assez tranquille. Ah là, Jérémy qui tente un coup. Ah, et c'est le coup final. Première manche gagnée par Arca Reed. Bien réglé. Et ils ont bien sûr gardé la destination finale. Alors, qui va gagner entre Nuage et le Trap? Nous allons voir ça tout de suite. Pourtant, Corinne est dans une mauvaise situation. Ah, c'est la première mort. C'est la première mort pour Corinne. Pourtant, il joue... Ouh! Cette petite épine qui est entrée dans son cœur au petit Nuage. Belle remontée de la part d'Arcaïde. Pour l'instant, ça a l'air serré. Hein. Ah, tentative de saut. Et première vie casse-pied. Il reste plus qu'un stock pour Jérémy, mais tout peut changer. Et... Ah non, ce n'est pas terminé. Jérémy peut revenir dans le jeu. Ouh, cette esquive. Il aurait pu être mort à cet instant. Oh là là, c'est pas mal de stress sur ce match. Ah, mais est-ce que ce sera la fin? Non, pour l'instant, toujours rien. Pensant, ils sont bien serrés là. C'est très chaud. C'est très chaud là, pensant. Jérémy peut tout à un moment se faire éjecter. Arcaride peut gagner directement la première manche. Mais pensant, ce premier match déjà. Et c'est Arcaride qui gagne ce premier match. Mesdames et messieurs. Salut à tous. Voilà, yes. Bon. Alors, bon combat Arca et Jérémy pour ce premier match. C'était assez dur pour la dernière stock, ce qui était très dommage. Ouais. Mais bon, que pensez-vous de l'adversaire Arcaïde? Bah, très très bien joué. Mais après, je vous avoue que j'étais un peu sur le cul à la fin. Genre, j'étais en stress total. Hein. En plus, avec les lags, ça aidait pas trop, tu vois. Ouais. Mais c'était cool, c'était intense et tout, c'était bien. J'ai kiffé. Mon cher Jérémy, j'espère que t'as bien apprécié ce combat. Jérémy? Jérémy est mort. Alors, mon cher Jérémy, que pensez-vous de Arcaïde? Vous m'entendez? Oui, bien sûr. Ouais. Ah mais d'accord, mais vous m'entendez? Mais je pensais que j'étais totalement... Bah oui, c'était un très beau combat. Je suis très content de voir. Ah, on m'appelle. Bon, en attendant, je vais répondre tout de suite. Pensant, je vous laisse commenter le match. Merci, maman. Ah! Alors, il se passe des choses super incroyables. C'est bon. Alors, il se passe des choses super incroyables. Alors, Little Mac et Lama. Enfin, Zelda. Oh là là. Et c'est déjà la première fois. Little Mac.
Donc ça taunt déjà, ça taunt. Mais pourtant, Lama a l'air bien de bien gérer Zelda. À ce que je vois. Mais pourtant. Ah, contre. Il a loupé le contre. Téléportation. Et le premier out. Donc, pourtant, nous revenons sur un match équilibré. À part que, bien sûr, Gaëtan a plus de dégâts comparément à Lama. Mais pourtant. Ah là là, Lama qui sait bien gérer l'esquive. Et c'est déjà la première mort. Pour, enfin, c'est déjà la seconde mort de Little Mac. Je commente très bien, vous faites pas. Attendez, on m'appelle à nouveau. Quel match incroyable. Bon, laissez-moi deviner, Gaëtan a perdu. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, il y avait maman qui voulait que je jette pour les commissions. Voilà. C'est bon, c'est réglé. Ouf. Donc c'est parti pour Ganondorf et Rondoudou. Et c'est sur la musique de Sonic. Rondoudou qui a une attaque assez salaud. Mais tout, il peut le faire, Lama. Mais il faut faire d'abord max de dégâts pour l'éjecter facilement. Et pour l'instant... Ah, le dodo qui a failli marcher de la part de Lama. Je voudrais bien avoir un compteur de dodo. Ah, le dodo qui n'a pas encore marché. Et premier KO de la part du petit Grégory. Ah, c'est dommage. Oh, il aurait pu réussir peut-être un suicide Ganondorf. Oh là là, mais Lama, que se passe-t-il? Il a fait... Ah, le second slip. Le second slip, mais ça va être très dur peut-être pour remonter. Ah, l'esquive. Tout peut remonter, Lama peut revenir dans le jeu. Dernière manche pour Gaëtan et Lama. Et ça commence avec une contre. Une contre à peine quelques secondes, c'est incroyable. Donc c'est assez dur quand même de faire avec le contre de Peach. Oh là là. Est-ce que c'est là? Eh ben... Voilà, on dit show me your moves. Ah là là, Gaëtan qui commence à perdre. Il peut refaire un ki à tout moment. Et c'est imperfect pour Lama, même s'il a pris très cher. Du coup, c'est Lama qui gagne la deuxième partie. Qui reste surtout dans l'air de jeu avec Sheka. Donc un très grand match que nous avons eu entre Lama et Gaëtan. C'était un match assez serré. C'est dommage qu'à la fin, Gaëtan avait un peu de mal à gérer Peach. Mais ça a beaucoup taunt show me your moves. Donc nous avons Marie contre Bowser. C'est parti. Donc, pour l'instant, magique qui fait des bons gestes. Là, ça fait de la défense. Ah, coup raté. Alors, évidemment, je tiens à préciser que si vous faites des coups suicidaires, ils seront bien sûr acceptés. Donc, parce que Béranger m'a dit en MP, est-ce que je peux utiliser ce coup d'enculé? Pour l'instant, c'est assez serré pour ces deux combattants. Pourtant, ce temps, beaucoup d'esquive. Un petit marteau bien tenté d'esquiver. Ou c'est les fesses de petit Bowser qui a failli marcher. Et c'est le premier out. Le premier stock casse-pillé de Magic. Ça tente des tentatives suicidaires. Pour l'instant, tout va bien. À part Magic, il commence à dire un peu l'eau. Mais pensant, ça va. Et c'est un second stock de la part de Magic qui disparaît. Bah, c'est exactement ça. Je veux faire des câlins, mais à quelqu'un en particulier. XD, enfin, place au jeu. Ah, mais oui, place au jeu. Et... Donc c'est parti, Ike contre notre cher Inkling. Donc c'est parti. Pourtant, Magic a un peu du mal, on dirait, avec Ike. Pourtant, ça partage un peu de couleurs, ça partage des couleurs pour l'instant. La petite grenade. Et c'est le premier stock de Magic. Donc on sent que Magic ne va pas gagner le tournoi. Ah bah oui, hein. Ah. Donc pour l'instant,
je fais un peu mon bâtard de streamer à dire, n'hésitez pas à follow, à vous sub et à faire des dons si vous avez envie, bien sûr. Voilà, ça c'est fait. Pour l'instant, c'est un combat assez équilibré. Et le premier stock sorti de Béranger. Nous allons rien dire sur cette scène, nous allons passer au prochain stock qui va être casse-pied. Pour l'instant, pensant en Béranger, l'écrase. Pourquoi il ne bouge plus magique? Ah, esquive. Alors... Vous allez commenter. Pourtant, le prochain match, ce sera l'Uanime contre Infinite. Donc, pense autant sur le Discord, mentionnez Infinite. Du coup, nous allons commenter nos deux champions. Bonsoir. Alors, pour l'instant. Thank you.